Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine prochaine. Ce sera pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite la paix, l'amour dans vos cœurs. Donc voilà, tous mes voeux pour ce premier jour de l'an 2021 à vous. Ce sera les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec vous que je vais commencer pour les tirages de la semaine, donc groupés. Vous pouvez regarder votre ascendant, vous pouvez me demander une guidance personnalisée en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds rapidement. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, cliquez la cloche du haut, vraiment pour recevoir toutes les vidéos. Peut-être que voilà, vous ne regardez pas suffisamment ou vous ne les recevez pas suffisamment. J'ai besoin de votre soutien parce que je vis une période difficile avec YouTube. Et vous le savez, oui, on m'a dit que je suis attaquée vraiment violemment par des personnes qui utilisent, je pense, la magie. Et j'ai très peu de vues, vous avez vu. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Voilà, j'espère que cette année va s'améliorer. Alors, on va commencer par un message pour les signes de feu. Un petit message. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quel message pour la semaine du 4 au 10? Non, 4 au 10. 4 au 10 janvier 2021, signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Sagittaire, 4 au 10 janvier 2021, quel message? Je t'arrive pas à tomber. Alors, on va mettre les cartes. Ah, on parle tout de suite de repos. Peut-être vous êtes fatigué. Peut-être vous êtes fatigué, je ne sais pas. On va aller. C'est le repos, en tout cas, qu'on a là. C'est la première fois que je la sors, cette carte. Le repos. La méridienne. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures. Moelleuse à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Toujours très politique, j'adore. Le repos, là c'est, je dirais la sieste. On vous conseille de prendre de temps en temps des moments de repos. Vous êtes peut-être fatigué en cette fin d'année, début d'année, voilà. C'est pas facile, c'était une année difficile. On peut pas le nier, hein. Je dois prendre du thé. On va vous prendre un message ici aussi. Pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021, pour les signes de feu, semaine du 4 au 10 janvier 2021, Bélier, Lion, Sagittaire, un message pour la semaine du 4 au 10. Pas l'air d'avoir envie de sauter aujourd'hui. Une au milieu. Oh, on nous dit de faire attention à la fraude. Pendant votre sieste. Non, mais alors, c'est des messages importants. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, donc ça, c'est la semaine prochaine. Hein. Au besoin, changez des mots de passe de vos cartes, de vos sites internet bancaires. Si vous devez faire des transactions, vérifiez bien les sécurités de vos sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Hein. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, je le répète. Ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter aussi de l'argent. C'est mieux pas. Ou de signer des contrats. Lire entre les lignes, les petites lignes, vraiment, plusieurs fois. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite. Faites attention, hein, on risque de vous, de vous arnaquer quelque part à la fraude. Mot de passe ou vos projets, etc. Et on va prendre encore un petit message ici. Semaine. Donc, j'ai pas mal de cartes, ça donne le plus d'informations possible à ces trois signes. Alors, je vais demander 4 au 10 janvier 2021, quel message pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Semaine 4 au 10 janvier, les signes de feu. Nous avons les poissons. Il y a effectivement une histoire d'argent en cette première semaine de l'année, j'espère que vous voyez. Le poisson nous parle d'abondance, d'argent, ou de faire attention justement, ne prêtez pas, vérifiez vos comptes. Si ça sort deux fois, moi je recommande vraiment de regarder, de bien regarder les signes de feu, de bien vérifier.
Avec les énergies, nous avons la victoire, nous avons le sixième chakra de l'intuition et vous avez l'appréciation. C'est des belles cartes qui nous disent que vous aurez des réussites par rapport à des challenges que vous vous êtes fixés, par rapport à des challenges, des envies que vous avez, par rapport à des personnes, un travail, par rapport à une activité, par rapport à un but que vous vous êtes fixé. On voit que vous allez réussir. Avec le sixième chakra, vous avez l'archange Métatron avec vous. C'est un grand archange. Ici, on nous dit d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Écoutez bien ce que vous ressentez. Et c'est peut-être pour ça. D'accord? Vous me mettrez en commentaire, même à la fin de la semaine. Et apprécier, appréciation, être dans l'appréciation, c'est de pas chercher à vouloir plus, pas chercher à envier surtout. C'est d'être déjà content avec ce que l'on a. C'est ce qu'on a comme message ici. On va voir avec les fées, qu'est-ce qu'elles nous parlent. On nous parle d'être dans la patience. C'est un petit peu, oui, j'allais dire l'appréciation, mais c'est plutôt la patience. On dit attends, attends, va pas trop vite, va pas trop vite. Ce que tu as demandé va arriver, mais aie encore de la patience. Il y a différents facteurs qui sont en jeu que tu dois prendre en compte. Là, on nous dit de pratiquer ou d'exercer ou d'apprendre quelque chose. Certains talents que vous avez, si vous avez un don, quelque chose, il est bien que vous le faites souvent, que vous le répétiez. Et ici, on a let go. On nous dit de lâcher le contrôle ici, de vous relâcher, relâcher vos énergies qui permettra à vos désirs d'arriver plus facilement. Vous lâchez et ça viendra vers vous. J'ai mal au cou ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait là hier soir, hein, Sandra? Alors, on prend une carte. J'ai oublié de dire, je vais finir ce tableau d'abord. Une carte du tarot de Marseille. Alors, pour ici, nous avons quelques soucis quand même en cette première semaine. Donc, peut-être attention à l'argent, des conflits dans votre tête. Vous avez des conflits, vous êtes pas mal à vous poser des questions. Il y a beaucoup de messages, hein. On nous dit que peut-être certains, vous aurez un sacrifice à faire, mais positif, parce qu'il y a l'hélice, l'arc-en-ciel. Sacrifice, c'est mettre de côté quelque chose pour favoriser une autre. Et on voit, il y a une belle relation d'harmonie, donc de cœur, d'âme sœur, de union, de la bonne personne. Durant cette semaine, pour certains, Bélier, Lion ou Sagittaire. Très bien. Donc, on a fini avec les énergies. On ne va pas passer 3 heures là-dessus. Je vous l'ai dit, je vais prendre un message du Pagan 4 Tarot. Alors, 4 au 10 janvier 2021 pour les signes de feu, lion, sagittaire, bélier. Quelle est l'énergie de la semaine du 4 au 10 janvier 2021? La roue de la fortune. Donc là, le chat est en haut d'une roue où à l'intérieur, il y a des rats qui courent. Comme vous aimez les chats. Voilà, il surveille. La roue positive, parce que ça nous dit qu'il y a des choses qui avancent, qu'il n'y a pas de blocage, ou des blocages se débloquent, ou on avance dans une situation. Ouais, ça peut être ça. On avance dans une situation. Alors, je vais utiliser ce tarot. Je vais vous faire un tirage au tarot. La roue, roue de la fortune. Les choses vont tourner en votre faveur. Dans une situation, ça va s'arranger en votre faveur. Si vous avez un conflit, c'est pour vous. Vous gagnerez. Hein? Si c'était bloqué avec quelqu'un, ça va se débloquer, mais en votre faveur. Semaine 4 au 10 janvier, 4 au 10 janvier 2021. Quel message pour les signes de feu? Bélier, lion, sagittaire. 4 au 10 janvier 2021.
Bélier, Lion, Sagittaire, quel message? Alors, je vais faire un tirage en croix. Semaine du 4 au 10, le signe de feu. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'ermite, envie de se retrouver un petit peu tout seul, ou bien ça va, j'ai tout de suite ici le déclic, me faire penser à la carte où on avait des conflits mentaux. Vous avez quelque chose dans votre tête qui n'est pas clair pour les signes de feu, Lion, les Sagittaires et les Béliers. Vous avez des conflits avec vous-même dans votre tête, dans votre mental. Et vous avez besoin de vous retrouver seul, vous cherchez votre chemin, on en dit. Pour cette première semaine, vous cherchez votre chemin, vous cherchez où vous devez aller, vous cherchez qui vous êtes. Il y a une recherche intérieure ici et peut-être un besoin de solitude. Mais c'est positif, on nous dit c'est bien, profitez de cette semaine pour ça. En contre, vous avez la force. Donc effectivement, on nous parlait de repos. Donc c'est une semaine, j'ai l'impression, plus d'introspection, de repos et de calme. Parce qu'il n'y a pas vraiment de force pour vous. En dominante, le soleil. Donc ça va être une très belle semaine à tous les niveaux. Il faut juste faire attention à l'argent, les cartes, je vous ai dit. Vous avez la dominante, donc c'est la réussite. Comme je vous ai dit, la roue, elle tourne en votre faveur par rapport à certaines situations. La réussite, gain de cause, un bien-être, être bien dans sa peau. La lumière qui se fait sur une situation. Une réussite. Et par contre, en réponse, nous avons la tour qui nous parle d'instabilité. Il y aura un peu d'instabilité. Alors, dû à quoi? Est-ce que c'est à ça? Je ne sais pas. Mais ça peut nous surprendre. Il y a un événement qui va arriver, qui va vous surprendre durant cette première semaine. Je ressens au niveau de l'argent, là. Qui peut être positif comme négatif. Généralement, ça ébranle une stabilité. Et puis, je dois calculer la synthèse quand même de votre semaine. Ça change beaucoup de choses. Alors, l'ermite. Vous aurez bien besoin de réfléchir, hein. Le 19, le 8, 10, 15, 16, 18, 26, 32, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Le 7, c'est, j'allais dire, c'est la roue, la fortune, ou bien, non, le 7, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je sais plus. 7, 7, 7. Le 7. Ah oui, le chariot. Ouais, oui, je pensais avec la fortune, quelque chose qui va avancer. Effectivement, il y a des situations qui avancent. C'est vraiment ce qui gère votre semaine. Il y a des situations qui avancent, qui se débloquent. Vous avez besoin de rechercher en vous certaines choses. Vous avez la force qui domine, une énergie de force solaire qui est vraiment avec vous, avec votre signe de feu. Et quelque chose arrivera de manière inattendue, autant bonne que mauvaise. Je ne sais pas dans quel domaine. Voilà le tarot de Marseille. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Je vais faire un tirage sentimental. Ok. Les signes de feu. 4 au 10 janvier 2021. 4 au 10 janvier 2021. Quel message pour les signes de feu. Bon, gestation, mais j'avais pas fini la question. 4 au 10 janvier 2021 pour les signes de feu. Lion, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? La semaine du 4 au 10 janvier 2021. Triangulaire pour certains. Il va falloir vous en sortir. Vous êtes bloqué. Il y a des situations tordues, compliquées qu'il vous faudra réparer. Alors, 4 au 10
Il y a des problèmes en amour. On voit que s'il y a eu une triangulaire, ça vous a blessé. On voit que c'est pratiquement insurmontable. On dirait qu'une personne a été trahie si vous étiez en couple, a été voir ailleurs. Donc, si vous voulez voir aussi des confirmations, vous allez regarder les tirages sentimentaux, célibataires ou généraux. Et puis, votre tirage de l'année 2021 pour le mois de janvier. On nous dit qu'il y aurait eu une attraction par rapport à un homme. Dans le sentimental, pour cette première semaine, ça ne va pas être facile. Il y aura de l'instabilité. Ah, c'est peut-être ça dans le tarot de Marseille. Il y a une histoire d'un homme extérieur pour lequel vous allez avoir une attirance. Et cette relation va en progressant, qui crée de l'instabilité si vous êtes en couple. Parce que, voilà, on a le cœur brisé. Vu qu'on était avec quelqu'un. Si on est avec quelqu'un, cet autre va partir avec un masculin. Et cette situation risque de progresser positivement. Donc, faire attention à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on ne peut pas vraiment dire triangulaire. Peut-être la personne que vous avez rencontrée a déjà quelqu'un, ça vous brise le cœur. Mais on dit quand même que ça va évoluer, cette situation. Il y a de l'instabilité, mais ça va évoluer. Voilà. Merci mes amis. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je vous souhaite encore une bonne année et je vous retrouve tout bientôt. Je vais faire aussi les tirages pour l'année 2021, tout prochainement. Je vous embrasse. Merci pour vos commentaires et votre soutien. À tout bientôt. Au revoir.